Le 5 de cœur. Alors, j'aime bien commencer par les figures géomantiques ici. Donc, on va commencer par la figure géomantique. Nous avons ici Amissio en figure géomantique sous le N. Tu peux la voir là, tu vois. Et Amissio, c'est la perte, la séparation. Ça nous parle du mois de septembre, d'un vendredi, d'une heure ou d'une demi-journée. Pour les notions de temps. C'est une figure, tu auras compris, amissio veut dire la perte qui est négative. Le 5 de cœur, il s'agit, tu vois, de deux gentilshommes qui vont voir, qui se présentent devant un roi. Un roi ou un politicien. On peut dire aussi qu'il peut être sollicité également par l'étranger. Mais c'est surtout qu'il est question ici, ces deux gentilshommes vont voir le roi pour pouvoir trouver un terrain d'entente. C'est ça qu'il faut, je pense qu'il est important de garder en tête. C'est avantage, enfin avantage, pardon, c'est une question de conciliation. Donc, l'ensemble floral va nous parler d'actions qui sont prudentes. Ça veut dire qu'il serait peut-être prudent de prendre conseil auprès de quelqu'un, justement. D'aller solliciter une personne avant de traiter quelques affaires dans quelques domaines qu'ils soient, sentimental, professionnel ou matériel. Pourquoi? Il est question d'être prudent dans ses actions, nous dit l'ensemble floral, lichen, oseille et verâtre. Note 5 de cœur. Déjà, peut nous montrer aussi d'une personne, d'un homme d'affaires ou d'une femme d'affaires, plutôt bien placée, de haut vol, on dira, et qui peut aussi, du coup, recevoir toutes sortes de propositions par des personnes de son réseau, et comme elle fait partie d'un réseau assez important, ça peut être des gens importants aussi également. Mais il y a vraiment une prudence, il est question de négociation ici. Il y a aussi cette notion d'importance peut aussi être aussi une notion d'urgence, ou vraiment une urgence à ce qu'il puisse être entendu ici. Donc, en fait, ils viennent pour éviter les hostilités. Pour éviter les conflits. Ils choisissent la voie du dialogue, de la conciliation, de la négociation. Amissio montre que c'est vraiment, il y a une notion d'anéantissement, donc il y a une grande prudence. Le petit sujet de gauche peut nous parler d'un manque de liberté. C'est pour ça que cette carte-là, en fonction des cartes qui sont environnantes, peut tout à fait te parler d'une période de vie, d'un moment, de quelque chose qui se passe dans ton pays, dans la société, dans le monde. Il faudra faire attention parce qu'il est question, tu vois, qu'il a enchaîné l'oiseau ben, il y a une entrave aux libertés individuelles. On peut être emprisonné puisqu'il est coincé là, l'oiseau, il ne peut pas bouger, hein, Donc, on verra que sur le petit sujet de droite, on parle de fidélité, de franchise, de générosité. À gauche, notre faucon est enchaîné. C'est un faucon. Donc, on l'a vu, il n'y a pas de liberté. Il y a des obstacles, il y a de la trahison. Et en affaires, il faut faire attention parce qu'il y a des obstacles et tout est bloqué. Voilà. Ici, c'est la carte qui dit qu'une personne ayant des intérêts importants, supérieurs, sera menacée de trahison. Voilà. Donc, on lui dit vraiment de choisir la voie du dialogue, quoi qu'il arrive, d'être prudent, donc avec les actions prudentes. Attention aux mauvaises. En association, au niveau. Ben, association, qu'elle soit amoureuse ou en entreprise ou financière, attention, parce qu'il y a vraiment risque de faire une mauvaise association, une mauvaise affaire, une mauvaise spéculation. On parlait d'action prudente avec l'ensemble floral, avec la constellation du lion. Tu vois bien que
Ici, on est dans le zodiaque. Le lion, c'est le mois d'août. Le lion va nous parler d'une évolution qui est vraiment, vraiment facilitée. Dans la constellation, réellement, on n'a pas que le lion, hein. Il y en a plein, plein d'autres à chaque fois. D'autres littératures te le diront. Et là, tout ça, les constellations nous parlent beaucoup de voyages, de déplacements. Et c'est des déplacements, justement. Puis, car, par exemple, en affaires, il est question de déplacements qui sont aller négocier quelque chose. Cette carte, elle fait partie des événements imprévus. Alors, ils viennent, il s'est passé quelque chose, c'est pour prévenir, être prudent, ça fait partie des événements imprévus. Il s'agit vraiment de toutes les démarches, ce sont des démarches, quelles qu'elles soient, juridiques, administratives, familiales, relationnelles, sentimentales, qui, on te dit, peuvent se régler par une négociation, par une conciliation. La lettre N va nous parler d'ailleurs de stratégie. Les mots-clés sont stratégie, habileté, on parle sociabilité.